Hey, salut à tous, c'est SNES, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une petite vidéo spéciale. Dégustation. J'ai fait tomber une potatoes. Sur ma vie, j'en ai rien à foutre, je la mange. Bismillah. Alors, ça faisait un moment que j'avais pas mangé McDo, que je m'étais pas fait un petit plaisir. Et je me suis dit aujourd'hui, prends-toi un petit McDo. Mais vous savez quoi, j'ai tellement pas de chance dans la vie. J'ai voulu prendre un menu à chaque fois que je joue au McDo. En fait, je prends un menu Golden en Royal Deluxe. Ça, depuis que je suis tout petit, c'est mon sandwich préféré. Sauf que j'ai pas eu de chance. Il n'y était pas, ils le font plus, je sais pas pourquoi. J'étais vraiment deg. Du coup, je me suis pris un petit menu Big Mac. Là, ouais, vous allez bien voir. Attendez, voilà, je regarde dans le retour de caméra. Voilà. Un petit menu Big Mac, je me suis pris. Avec, je me suis pris deux wraps poulet. Je prends tout le temps des wraps poulet, je kiffe tellement ça. Et bien évidemment, je prends toujours, mais toujours, mais toujours, depuis que je suis tout petit que je connais le McDo, les potatoes. C'est vraiment magique. Et puis, bien évidemment, la boisson, ça a toujours été coca. Ah, faut dire que c'est trop bon. Et ma sauce préférée, c'est la pomme frite et la deluxe. Ne vous inquiétez pas, j'ai des réserves. Et franchement, on va se faire plaisir. Je suis tout content. On n'est pas bizarre quand même, franchement. Pourquoi quand on est content, quand on va manger un truc bon, on est comme ça, tout excité, genre comme des gogoles. C'est vraiment n'importe quoi. Tiens, dites-moi dans... j'allais dire dans les commentaires, mais c'est plus disponible. Dites-moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Mon cornichon, c'est trop bon. Twitter, Instagram. Tout est dans la description. Quel est votre sandwich préféré? Moi, personnellement, vous êtes Team Royal Deluxe ou Team Big Mac? Ou Team McChicken? McChicken aussi, j'ai goûté, il est super bon. Du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, je suis deg. Attendez, faut que je vous montre. C'est juste magique. Tu prends les potatoes. Tu fais ça. Oh là 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 là. Non, ce n'est pas un geste sexuel. Oh là là. Ah, oh, ça faisait longtemps. Ça faisait super longtemps. Quand on goûte les potatoes, comment on peut préférer les frites du McDo? Après, elles sont bonnes, mais elles valent pas les potatoes. Ah, c'est juste trop beau. Bon, allez, on va attaquer quand même le Big Mac. Il y en a, vous avez pas remarqué? Ça, je le fais pas, je pourrais pas. Mais là, quand ils mangent leur hamburger frite, à chaque fois, ils finissent d'abord toutes leurs frites, et après, ils mangent le burger. Moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Je ne peux pas. Mon frère a fait ça, je sais pas comment il fait. Moi, je mange 2-3 frites, après, j'attaque... Enfin, je mange les deux en même temps, quoi, tout simplement. Bon, allez, depuis le temps, hein. Trop bon. Regardez-moi ça, fait le petit focus. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Mais il veut focus que ma tête. Allez, allez, focus. Voilà. Non, oh, c'est trop bon. C'est franchement fou. Ouais, je préfère le Royal Deluxe, mais c'est trop, trop bon. Les petits potatoes. Ah, j'en profite parce que c'est pas tous les jours que je mange McDo. D'ailleurs, je suis sûr, j'ai un petit délire aussi à chaque fois. Je mets mon doigt là. Je passe. Je regarde jusqu'au bout. Je suis sûr que tous ceux qui vont voir la vidéo. Mais bon, je recule pour que vous voyez un peu plus. Ils vont absolument. Enfin, ils vont direct avoir envie de manger McDo. C'est trop marrant. Enfin, à chaque fois que je vois quelqu'un manger McDo, j'ai envie de manger McDo. Bon. Quand je vais re-regarder la vidéo et que j'aurai fini mon Big Mac, je serai en train de pleurer.
Voilà donc, ce que je suis en train de faire là, la petite dégustation, je voulais vous poser une question en fait. Attendez, il faut que je marche. En fait, j'aimerais bien faire une fois par semaine. Bon, je pense que ce sera tous les dimanches. Mais j'aimerais bien faire une fois par semaine une dégustation d'hamburger en fait. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté une photo il y a un petit moment. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais je l'ai dit. En fait, depuis que je suis petit, mon plat préféré c'est l'hamburger frites. C'est mon plat préféré. Mais le bon hamburger fait maison. Et j'ai posté sur Instagram une photo justement de ce que je fais d'hamburger maison. De tout, hein. Je fais mon propre pain, j'achète ma viande, c'est moi qui fais le steak. Qu'est-ce que je fais aussi? Je fais ma propre sauce ketchup. J'ai découvert aussi maintenant, je sais faire la sauce barbecue maison, franchement. C'est un régal. Je fais tout, j'achète le cheddar en moi. Cheddar, tu peux pas le faire, mais je mets tout en fait. Jusqu'à mon propre pain. Tout est maison, même les frites. Je prends des patates, je les coupe, etc. Et franchement, c'est magique. Allez, franchement, si vous avez jamais mangé de burger maison, c'est magique. Un jour, je vous offre à tous les abonnés là. Actuellement, on est 200 000 et quelques. Je ferai 200 000 hamburgers. Et en fait, si ça vous dit, une fois par semaine, peut-être tous les dimanches, je ferai une vidéo dégustation, voire même je cuisinerai mes hamburgers maison, je les préparerai devant vous. Et après, vous me verrez en train de le manger. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Parce que McDo, c'est bon. Mais ça n'a rien à voir avec des hamburgers maison. Ça vaut rien du tout par rapport à des hamburgers maison. Et franchement, c'est magique, je vous le dis tout de suite. C'est magique. Putain, mal. J'ai renversé la sauce de luxe. Attendez, il me faut un petit mouchoir. Ah bah attendez. Je suis bête. J'ai des mouchoirs. Voilà. Il y a de la sauce de luxe qui est tombée entre mes cuisses. sur mon siège. En plus, c'est du cuir, faut pas tâcher. Bon. Attends, on va se prendre une petite gorgée de coca. Alors d'habitude, je mange beaucoup plus vite, mais là, je sais pas, vu qu'il faut que je vous parle et que j'ai plein de trucs à dire, je prends mon temps, tranquille. Et franchement, je regrette quand même pas de me faire plaisir. C'est trop trop bon. On va mettre un petit peu de sauce mayo dans la boîte à frites. Je vais le faire devant vous. Attendez. Ça c'est pas évident. Voilà. Vous voyez? C'est un régal, c'est un truc de ouf, j'en ai marre. Ouais, donc, tous les dimanches, une petite vidéo de soit dégustation d'hamburger. McDo, il y en a tellement. Quick. Ou KFC. Ou des fois des maisons. Faudrait que vous me dites si vous kiffez ou pas. Je pense que ça pourrait être un petit truc pas mal. Une petite vidéo détente. Par contre, putain. Je mets du temps à manger.
Je vais passer au wrap. Par contre, il y a un truc qui me saoule. C'est que à chaque fois, vous avez pas, je sais pas ce que ça vous fait, à chaque fois, j'ai remarqué que tu manges quand tu te fais... Je kiffe les wraps au passage. Sérieusement, c'est un truc de malade, comment je suis fan des wraps. Le seul truc qui me saoule, c'est que quand tu manges McDo, t'es calé directement. Et puis, j'ai remarqué que... Je sais pas... Attendez. J'ai un petit péché mignon calorique, mais... En fait, quand je prends un wrap... Bon, là, il me reste plus qu'une sauce ketchup, je suis deg. Je mets deux sauces ketchup dedans. Mais si j'en ai pas assez, je rajoute du ketchup. Ketchup maison. Ouais, ce que je disais, c'est que ce qui est chiant, c'est que vous avez pas remarqué qu'à chaque fois que tu manges McDo, dès que t'es calé, t'es vite calé, et une heure après, t'as faim, tu pètes la forme, tu crèves la dalle, tu pourrais, je sais pas, tu pourrais dévaliser ton frigo. Qu'est-ce que c'est bon. On ouvre la petite... Deuxième sauce de luxe. Oh putain. Je profite du moment. Ah, c'est trop bon, putain. Oh là là. Ah, puis cette sauce mayo. Sauce pomme frites, je crois. On va voir. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Il y a les aime pas, je comprends pas pourquoi. Alors je la trouve magique. Par contre, il y a un truc qui me fait rire. Attendez. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi les gens qui... Je comprends pas les gens qui vont au McDonald's pour manger, attention, une salade. Je sais pas, c'est pas logique. C'est... Après, les gens, comme j'ai dit, les gens font ce qu'ils veulent, mais il y a un truc que j'arrive pas à assimiler, c'est... Moi, tu vois, je pars du principe, quand je vais au McDo, c'est pour me faire plaisir. C'est comme si j'allais à une pizzeria et que, je demandais une salade de tomates. Alors, quand tu vas dans un fast-food, je pense que c'est pour te faire plaisir. Sachant qu'en plus, les pizzas du McDo, pourquoi pas. Les salades du McDo sont aussi caloriques que les... qu'un Big Mac, etc. Ça me fait rire. Par du principe, je préfère me faire plaisir de temps en temps, une fois par mois, un petit McDonald's, mais bien manger, etc., te péter le bide, je peux y aller très souvent et prendre une salade, et voilà. Ah, mais il n'y a pas à dire, c'est trop bon, c'est un truc de ouf. Je suis sûr que vous êtes en train de crever la dalle, là. Allez, je vais être gentil. Voilà. Tiens. Allez, mange. Allez, mais par contre, il veut faire... Allez, fais le focus sur la potatoes.
Ah, il veut pas. Il veut faire le focus que sur ma tête. Enfin, je jurerais, je sais pas. Il est obsédé par ma tête, le appareil photo. Je commence à caler. Ah mais y a pas à dire, ça va être la plus longue dégustation de burger que j'ai jamais vue de ma vie. Bon allez, on attaque le dernier dernier wrap. Je l'attaque avec un peu de mal, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, je suis déjà assez calé. Bon. Je pensais que j'avais une plus grosse faim que ça en plus, hein, mais franchement, le Big Mac, il m'a... Je sais pas. Alors, je sors. Et là, comme je n'ai plus de sauce ketchup, j'ai pris du renfort. Ta-da-da-da-da. Attendez. Voilà. Voilà. Ce que vous voyez comme ça. Voilà, là vous voyez. Et en fait je fais ça. Alors, je suis un grand fanat de ketchup, on me l'a souvent dit. Et là, c'était pas un wrap au ketchup, mais c'est du ketchup au wrap. Souvent on me disait je mange pas des frites au ketchup, je mange du ketchup aux frites. Je suis comme ça. C'est tellement bon le ketchup. Mmh. Regardez mes chats. Les trois me regardent. Normal. Vous avez faim, hein? Puis dans une heure, vous allez voir. Je vais crever la dalle. Bon, donc je compte sur vous. Ah, mais vas-y, je sais pas manger là. Je me suis mis la sauce de luxe sur mon jean. Je compte sur vous pour me dire si vous kiffez ou pas ce projet. Enfin, ce projet. Ce petit concept de vidéo détente. Je crois que vous me voyez manger quand même. Vous voyez pas bien le truc. Et franchement, oui, une technique de morphale. Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. On n'en perd pas une goutte. Voilà. C'est magique. Tiens, je racle même le fromage du Big Mac. C'était trop bon. Bon, mais... Ah, il marche. Bon, mes petites sphères. Alors, dites-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, si vous êtes pour ce petit concept de tous les dimanches, une petite vidéo dégustation. Et dites-moi aussi quel hamburger vous voulez me voir manger. Et si vous kiffez ce genre de vidéo, bah, je vous invite tout simplement à mettre un petit j'aime. Et voilà, ouh. Et puis voilà, je pense que je vais tout dire. Vous pouvez aussi me dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes team McDo.
Team Big Mac ou Team Royal Deluxe. Moi perso c'est Royal Deluxe. Team Potatoes ou Team Frites. Moi personnellement c'est Potatoes. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao.